Bonjour de nouveau à toutes et à tous. Merci de votre présence en présentiel, comme il est désormais convenu de le dire, et en distanciel également. Sans plus tarder, nous allons céder la parole à deux jeunes lauréats de l'agrégation externe d'Espagnol. D'abord à Vincent Bord, Université Paris 4, lauréat en 2019, puis à Yann Seyeux, lauréat en 2020 de l'université préparée, en tout cas à l'université Paris-Nanterre. Je me présente, je suis Vincent Bord, je suis professeur agrégé d'espagnol depuis 2019 et j'enseigne actuellement au lycée général et technologique à Mency, au lycée Marie-Laurencin, mais je fais aussi quelques heures de BTS au lycée professionnel Charles Baudelaire à Évry, donc on est dans l'Essonne en 91. Si je suis ici aujourd'hui, c'est avant tout grâce à Mme Nancy Caster, qui est ici présente aussi, professeure de linguistique hispanique, et je voulais vraiment la remercier, parce que c'est un honneur pour moi d'être présent parmi vous, et j'aimerais en ce sens la remercier de son invitation. Mais si je suis présent aussi aujourd'hui, c'est pour vous livrer tout simplement mon expérience en tant que jeune enseignant, aussi bien sur l'année de l'agrégation, et ce sera le premier point, que je vais évoquer, mais aussi par rapport à mon expérience de jeune enseignant sur le terrain. Donc, dans un premier temps, je vais vous livrer mon parcours avant de passer le concours. Ce parcours était assez classique, en fait, puisque j'ai fait d'abord 3 ans de licence à l'Institut, oui, à la Sorbonne, au sein de laquelle j'ai beaucoup appris. Et j'ai eu la chance de partir en séjour Erasmus à Madrid, à la Université de la Complutense, en 2015. Et j'ai eu des profs qui étaient tout à fait passionnés. Et ça a été l'occasion pour moi d'affiner ma compréhension orale, qui était bonne au départ. Mais c'est vrai que quand on parle aussi vraiment dans le pays, on apprend davantage, je trouve. Et tout était source d'apprentissage, aussi bien à l'université avec les enseignants que j'ai eus, mais aussi avec des conversations avec des hispanophones, puisque je vivais aussi en colocation avec des Espagnols et des Péruviens. Et suite à cette année, une fois que je suis rentré en France, j'ai été dans la continuité de mes études en m'inscrivant en master recherche, toujours au sein de Paris-Sorbonne, enfin Sorbonne Université maintenant, en me spécialisant en littérature uruguayenne, puisque je travaillais sur Horacio Quiroga, et qui est d'ailleurs toujours mon sujet de thèse, puisque je me suis inscrit là en deuxième année. Et j'ai pu, pendant mon master recherche, partir une seconde fois en séjour Erasmus, mais cette fois à Salamanca, à l'université, donc à la USAL. Et c'était en 2017, et l'environnement était, je trouvais, plutôt agréable et propice aux apprentissages. Et j'ai le souvenir, par exemple, de cours de littérature latino-américaine, où c'était vraiment l'effervescence, où on avait beaucoup de livres à lire, notamment 7-8, qui retraçaient un petit peu toute l'histoire du 19e siècle. Donc, c'était très, très enrichissant, je trouvais, d'avoir autant de références à lire. Et à ce jour, je peux vous dire tout simplement que j'ai aucun regret d'être parti deux fois, puisque au-delà d'apprendre et d'affiner la connaissance de l'espagnol, j'ai aussi appris sur moi-même, j'ai pu dépasser certaines peurs de la vie quotidienne, j'ai pu prendre le métro tout seul, j'ai pu faire des choses, même si à Paris, c'est une bonne école aussi pour le métro, mais bon, passons. J'ai pu augmenter ma confiance en moi, j'ai pu vraiment apprendre sur moi-même. Et je me réjouis aussi surtout par rapport au contexte actuel, puisque moi, je suis parti sans le coronavirus, donc c'est vrai que c'était super bien. Et du reste, ces 5 ans de formation, pour moi, ont été vraiment utiles et nécessaire dans ne serait-ce que la maturité pour qu'on est censé avoir aussi auprès des élèves. Déjà qu'à 24 ans, je me sentais tout petit face à des élèves, même s'il fallait assumer, bien sûr, et j'en suis ravi. Donc, c'est vrai que je ne me voyais pas forcément être enseignant à l'âge de 21, 22 ans, et je trouvais que dans ce sens, les 5 années de formation étaient vraiment nécessaires de ce point de vue-là. Et donc, une fois que je suis rentré en France, que j'ai soutenu mon mémoire en 2018, c'est là que mon projet de passer l'agrégation s'est vraiment éclairci. Je savais que je voulais passer ce concours, mais sans forcément savoir exactement à quoi m'attendre,
même si quand je discutais autour de moi par rapport à ce concours, on savait très bien qu'il y avait des exigences qui étaient assez élevées et que c'était une année très, très intense. Et donc, je voulais préciser aussi par rapport à cette année de concours que nous étions une toute petite promo puisque nous n'étions que 6 agrégatifs. Donc, il était évident qu'avec ce petit effectif, cela ait constitué un avantage certain dans la préparation au concours puisque le suivi auprès des professeurs était vraiment personnalisé et très suivi. Donc, c'était très agréable. Et c'est évidemment grâce à cet effectif aussi qu'on a pu réussir le concours. Alors, malgré la peur de l'échec, malgré le rythme assez soutenu qui est réel, hein, entre la bibliothèque, l'université, et puis j'ai travaillé aussi en librairie pendant cette année-là, je dois avouer que cette année était très, très stimulante pour moi et enrichissante aussi. Stimulante parce que j'ai lu beaucoup de références bibliographiques qui étaient proposées par le concours sur les questions portées au programme. Stimulante aussi parce que j'ai été habité par l'apprentissage de beaucoup de citations d'auteurs. Enfin, j'ai une passion des mots, donc c'est vrai que j'aimais bien me faire habiter par les mots de nos grands auteurs appris tout au long de l'année. Et enrichissante aussi parce qu'au-delà d'assimiler des connaissances relatives à l'espagnol, j'ai aussi appris à mieux me connaître. Je me suis découvert une certaine ténacité pendant le concours que je ne soupçonnais pas, à ne rien lâcher. Et je pense qu'il y a des qualités qui se sont, on va dire, exprimées dans mon intérieur, dans mon fort intérieur, à savoir la motivation et l'exigence envers soi-même qui est si demandée par le jury d'agrégation. Et je pense que ce sont principalement ces deux qualités qui sont nécessaires aussi pour tout simplement décrocher le concours. Je pense que c'est essentiel pour réussir et que cette exigence est évidemment essentielle, surtout en linguistique, donc on en parlait il y a quelques minutes, notamment parce que cela permet d'expliquer aux élèves, et je reviendrai dessus, la formation de l'espagnol, la formation des mots, l'historique, l'étymologie, de faire un petit peu une pluridisciplinarité avec le latin. On devait en fait faire évoluer les mots latins vers l'espagnol contemporain. Et au-delà aussi, bien sûr, de la construction de la connaissance de l'espagnol, je pense que même si on a aussi la prétention de faire rayonner une culture, c'est surtout une langue modélisante que l'on transmet auprès des élèves. Et je pense que ce n'est pas par hasard si l'épreuve de traduction bénéficie d'un coefficient plus élevé que les dissertations, même si les dissertations... important, on ne va pas se cacher, on ne va pas se mentir. Donc, je pense que retirer ces heures de thème, de version et de linguistique, notamment, signifierait accroître les chances de recruter les enseignants qui ne maîtrisent pas forcément les subtilités de la langue, les nuances et les richesses de l'espagnol, en l'occurrence. Et quant aux matières telles que la littérature ou la civilisation, celles-ci m'ont tout simplement aidé à travailler l'articulation d'une réflexion, l'articulation aussi des méthodes de rédaction, de peaufiner la gestion du temps, qui sont, je pense, des qualités essentielles lorsque l'on veut être enseignant par la suite. Et donc, de manière plus générale, même si la préparation au concours remonte pour moi il y a 2 ou 3 ans maintenant, nous évoquons souvent avec des collègues qui ont eu l'agrégation aussi et que je continue de voir à l'extérieur. On évoque souvent des souvenirs ou des anecdotes, des moments qui nous ont fait rire, parce que ce n'est pas que la pression non plus, il y a quand même eu des bons souvenirs. Même avec son ascenseur émotionnel, avec des moments d'angoisse, quand on y repense, on se dit que c'était finalement, pour ainsi dire, presque la meilleure année de notre scolarité, tant on a appris et on y repense souvent avec le sourire aux lèvres. Donc, dans un second temps, je vais vous exposer mes premiers pas dans l'enseignement. Si la toute première heure de cours s'avérait intense avec mes 17 élèves de 4e B, de par l'excitation et l'enthousiasme qui me traversaient, l'année de stage était tout aussi intense. Mes semaines oscillaient en réalité entre les 8 heures que j'avais de cours au collège, parce que j'ai fait mon stage au collège, où j'étais affectée avec ma tutrice Karine Delair, que je salue au passage.
D'autre part, les cours dispensés à l'INSPE de Sergi Pontoise avec Madame Céline Onesser, qui est présente dans la salle, qui est responsable de la formation. Alors, si les premiers pas dans l'enseignement ont été marquants pour moi, c'est parce que, certes, je connaissais l'aspect théorique des choses, mais pour autant, j'avais vraiment hâte de passer à la pratique, donc de travailler vraiment sur le terrain. Ma tutrice a en ce sens beaucoup apporté en termes de construction pédagogique, d'approche de la didactique. Voilà, elle venait en classe, elle prenait des notes au fond de la classe pour me dire ce qui était bien et ce qui était à retravailler et améliorer. Par exemple, la didactisation des documents, parce que c'est vrai que ce n'est pas forcément un point que l'on travaille quand on prépare l'agrégation, mais plus tard au niveau de l'INSPE. Et en ce qui concerne justement la didactisation des documents, c'est la formation de l'INSPE qui s'inscrit dans cette logique-là. On a eu des cours d'informatique, bon, je n'étais pas très, très doué, mais on s'en sortait quand même. On a eu la découverte de quelques plateformes dont moi je n'avais pas connaissance, de Classroom Screen, de Padlet, qu'on peut réutiliser en classe. On a aussi abordé des questions un peu plus théoriques sur la laïcité, ce que ça représentait, ce que ça signifiait. Mais on a aussi, grâce à cette formation, appris à mieux appréhender les enjeux de la transmission, de la mise à portée de documents. Et pour être concret, Madame Onesser nous a donné une petite technique de 4 étapes pour préparer un document, avec 4 étapes distinctes pour préparer une nouvelle séquence. Et il m'arrive encore aujourd'hui d'utiliser cette technique-là pour justement travailler sur les impressions d'un tableau, comment je le reçois et comment je pourrais le transmettre au niveau des élèves pour aller vers le sens. Je me souviens aussi de quelques petites techniques qu'on avait sur, par exemple, comment introduire des connecteurs logiques comme « y también », « además », au lieu de dire « qué más ». Bon, voilà, pour transmettre au moins des petits mots qui sont utiles. Et je me souviens aussi des cours dispensés par Anne Chevigny, qui, je crois, est devenue inspectrice entre-temps du Val d'Oise, je crois. Voilà, c'est ça. Avec qui nous avions passé quelques heures d'études de documents pour savoir voilà, comment un texte on peut l'étudier, comment on peut le mettre à portée, etc. Et donc, ces heures-là ont été intéressantes dans la mesure où il était important de savoir comment les collègues réfléchissaient sur un document pour savoir comment le didactiser. Et c'est là qu'on apprend en réalité qu'il n'y a pas une manière de faire, mais des manières de faire. Alors, d'autre part, concernant la formation à l'INSPE, j'ai été assez sensible à l'atelier consacré au groupe de parole, puisque certaines séances ont été l'objet de partage de pratiques, où on devait en fait expliquer les situations qu'on avait rencontrées sur le terrain, pour pouvoir après déblayer tout cela, pour pouvoir analyser la pratique professionnelle et savoir quelles pistes de remédiation on pouvait proposer. Donc, ces séances consistaient tout simplement à ce que chaque stagiaire évoque une situation qu'il avait rencontrée et puis on devait voter à main levée. Donc, on était aussi une petite promo pour choisir la situation à traiter et proposer des pistes de réflexion. Et en fait, on se rend compte que lors de ces groupes de parole, on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul à rencontrer, je pense que Yann, tu as dû le vivre aussi, on n'est pas tout seul à rencontrer des difficultés, même si elles sont infimes, et ça permet d'échanger, et ce qu'on fait aussi même dans l'établissement, même quand on n'est plus stagiaire. De plus, j'ai aussi apprécié les heures toutes simples, on construisait des séquences, donc là, c'était vraiment du pratico-pratique, avec des camarades de la promotion, j'ai par exemple le souvenir d'avoir travaillé sur la séquence un petit peu avec un thème environnemental lié aux arts, avec Mathilde, que je salue aussi. Et c'était intéressant dans la mesure où on échangeait des visions de l'art par rapport à l'environnement. On s'inspirait l'un de l'autre et du coup, c'était bien parce qu'on savait qu'après, on pouvait transposer cet exposé-là, cette séquence-là, auprès des élèves et faire un retour sur si ça avait marché ou pas, tout simplement. Et enfin, pour revenir à la préparation du concours, on s'aperçoit que des connaissances techniques assimilées lors de cette année s'avèrent potentiellement mobilisables en classe par rapport à des questions d'élèves. Pour ma part, je me souviens d'un élève en terminale l'année dernière qui m'avait demandé d'expliquer l'origine de la construction du verbe « saber »
au futur en espagnol. Donc évidemment, j'aurais pu répondre à cette question puisque j'avais suivi les cours de linguistique, tout en expliquant la construction de l'irrégularité. Et il en va de même pour tout ce qui est relatif aux oppositions phonologiques entre casa et casa, entre la qui change évidemment la signification du mot, ou encore la construction de usted, de vuestra merced, je ne vous apprends rien. Et du reste, sans, évidemment. Et évidemment, sans ces heures de linguistique, pour ne citer qu'un exemple, je pense que je n'aurais pas forcément su répondre aux élèves et que j'aurais dû faire une recherche après ces questions-là. D'autant plus qu'il est intéressant d'observer que nombre d'élèves sont intéressés de connaître l'histoire des mots, de connaître la construction des mots via l'étymologie. Et je pense que c'est un levier pour attirer leur attention sur la construction de l'espagnol pendant quelques instants. Et enfin, il me semble que c'est grâce au concours que les candidats potentiels issus de différents horizons et que les contractuels issus d'autres horizons également professionnels peuvent prendre la mesure des exigences sur le plan linguistique et des exigences de l'institution concernant la mise en place des démarches pédagogiques, et ce, en lien avec le contenu culturel et l'approche communicative. Donc, en somme, les différents échanges avec l'inspection territoriale m'ont permis d'en prendre conscience. Alors, pour achever mon propos, je ne sais pas si je suis dans le timing, mais peut-être que j'ai un peu dit, mais c'est pas grave. Je pense qu'il est important de maintenir la formation telle qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire à la fois maintenir l'exigence du concours alliée à une formation dispensée par l'INSPE et l'encadrement sur le terrain, puisque ce sont ces trois éléments conjugués qui incitent le jeune enseignant à se questionner dans son rapport au métier, dans son rapport à sa pratique, et à trouver peu à peu les gestes professionnels qui sont préconisés, notamment par l'inspection. Et c'est aussi après ce stage que je considère que je me suis un peu plus trouvé dans mon style d'enseignement, parce qu'on ose un peu plus de choses, on a un mini retour d'expérience par rapport au stage, bon, même si le mien a duré que 6 mois par rapport à la crise sanitaire. Mais même si je suis à présent titulaire de mon poste, je continue d'aller observer des collègues. Je suis toujours un petit peu curieux de voir comment certains autres collègues d'espagnol s'y prennent pour transmettre une culture, et notamment la culture espagnole. Mais je vais aussi voir d'autres collègues dans d'autres matières, parce qu'il y a peut-être des techniques de gestion de classe auxquelles je n'avais pas forcément pensé, et je trouve que c'est toujours bien de croiser plusieurs regards. Voilà, tout simplement parce que c'est une source de réflexion supplémentaire et que je pense que c'est toujours intéressant et enrichissant. Et pour les personnes qui souhaitent s'inscrire au CAPES et à l'agrégation, sachez que je ne suis pas issu d'un milieu forcément prédestiné à l'enseignement, que je suis un pionnier dans la bataille. S'il est vrai que j'ai toujours eu des bons résultats à l'école depuis tout petit et que j'ai su très tôt que je voulais faire ce métier depuis mon enfance, pour autant, je pense que ce métier m'a permis de vraiment me rendre compte que c'était ça qui donnait du sens à ma vie. Mais pour autant, voilà, toutes les compétences, toutes les aptitudes se construisent dès les années d'études et durant l'année de stage, durant l'année de formation et même au-delà, puisqu'on est amené bien sûr à actualiser nos connaissances sur le monde hispanique actuel. Il est vrai que mes gestes étaient sans doute un peu maladroits en tout début de carrière, lors des premiers mois, mais la volonté ne m'a jamais quitté. Et j'espère que mon intervention un petit peu courte vous a plu, et c'est au terme de cette intervention que je vais passer la parole à Yann, qui est ravi aussi d'être là, et voilà, je vous remercie de votre attention. Je tiens à remercier Vincent pour son intervention et pour avoir rappelé que l'agrégation qu'on a tendance à réduire à la préparation et au concours est en fait un cheminement professionnel. Le conférencier de ce matin a rappelé que c'était aussi un concours professionnels de recrutement, et il y a donc une agrégation en plusieurs étapes, voire en plusieurs années. Voilà, et tout de suite, je cède la parole, et si tu souhaites enlever ton masque, c'est tout à fait possible, à Yann Seyeux, lauréat en 2020. Merci beaucoup. Merci à Vincent déjà pour son intervention, merci à Emmanuel pour cette introduction. Ce qui va m'intéresser, c'est que même s'il y a beaucoup de similarités dans le parcours
qu'on partage avec Vincent, il y a effectivement cette complémentarité aussi. Moi, je vais essayer de vous parler plutôt de mon expérience et de mon processus dans l'agrégation, qui n'a pas été juste celui d'une année ou d'un passage à l'écrit et d'un passage à l'oral. Parce que, donc, juste pour me présenter rapidement, je suis aujourd'hui doctorant contractuel à l'Université Paris Nanterre. Je réalise une thèse sous la direction d'Emmanuel et sur les politiques numériques en Amérique latine. Donc, par rapport à d'autres, je n'ai pas trouvé mon sujet dans l'agrégation, dans le programme de l'agrégation, mais sur le chemin, j'ai trouvé une directrice de thèse, ce qui est déjà une grande chose. Et donc, j'ai fait tout mon parcours de la licence, master et bien sûr, préparation de l'agrégation à l'Université Paris-Nanterre. Et je suis d'autant plus ému aujourd'hui de voir, de constater la présence de trois de mes formatrices qui m'ont suivi tout au long de ce parcours. Donc, tout d'abord, je tiens à remercier au premier titre les membres du séminaire humanitaire et la présidente de la SHF pour l'organisation de cette journée d'études et tout particulièrement Caroline qui m'a très gentiment invité à assister et à participer à ce séminaire. Selon mon expérience, il existe autant façons de vivre une agrégation qu'il y a de candidats. Selon le témoignage que je souhaite partager avec vous, retrace succinctement, on essaiera de le faire, celle qui a guidé mon parcours dans ce concours. De la ligne de départ, puisqu'on peut imaginer ça comme une course de fond, jusqu'à celle d'arrivée, le passage de l'agrégation relevait avant tout pour moi d'une quête de sens, parmi lesquels, au lieu de tous les énumérer, celui d'un jour faire partie du corps des agrégés, avec tout ce que cela implique en termes de reconnaissance et de sentiment d'appartenance. Je rajouterai aussi le sentiment de légitimité dont on parlait à la première conférence. Une considération encore bien lointaine dans la tête de l'étudiant en master que j'étais, lorsque, comme beaucoup, je résumais ce concours à la réputation d'exigence et de prestige qui le précédait. Dans mon cas, avoir eu pleine conscience des raisons qui motivaient cette préparation m'a assuré de ne pas passer à côté de son expérience, par exemple en se concentrant trop sur ses enjeux professionnels, certes primordiaux pour le quotidien de nombre de candidats, mais donc ne pas passer à côté de cette expérience dans le but de profiter pleinement de l'opportunité personnelle et intellectuelle qu'il représente. Car s'il est vrai que l'agrégation requiert un tel investissement personnel qu'elle nous fait parfois subir une mue à vif, on en a tous fait l'expérience, on ne peut ressentir que changer, car elle a également été pour moi la meilleure des formations possibles pour me préparer à devenir un doctorant et un enseignant. Comme je suis doctorant contractuel, moi je fais encore mon stage pendant 3 ans et j'en suis à ma deuxième année d'enseignement, mais au total à 2 mois en présentiel. Voilà. Donc, comme beaucoup de candidats, j'ai préparé l'agrégation en 2 ans, mais contrairement à la plupart, sans avoir à me présenter la première année. En effet, des aménagements dans le M2 de recherche proposé par l'Université Paris-Nanterre m'ont donné la possibilité d'assister à des séminaires qui étaient mutualisés avec les cours de préparation à l'agrégation. C'est de cette manière que, sans subir la pression des échéances à venir, qui était vraiment agréable, j'ai découvert l'équipe de préparateurs de mon université, les conditions de déroulement du concours, la moitié des programmes qui seraient renouvelés l'année suivante. J'y ai appris beaucoup, j'ai jaugé le niveau attendu, bien sûr, et me suis immanquablement comparé aux autres. Avec le recul, je mesure la chance que j'ai eue de passer par cette première entrée en matière. C'est là aussi, pendant cette première année de préparation, que j'ai compris l'affinité spontanée qu'il existait entre l'enseignement et la recherche. L'agrégation joue à mes yeux un rôle de passerelle entre les deux, puisqu'elle forme, d'après moi, aux deux. La meilleure illustration possible est sans nul doute l'opportunité donnée par Caroline à moi et à d'autres camarades du master, de coécrire un article sur Drayuela, l'œuvre phare de Cortázar qui est entré au concours, qui ont fini par devenir 3 articles. Et donc, grâce à son enseignement, c'est non sans fierté que j'avoue m'être ouvert sur le tard à la littérature, ce qui a été d'une grande aide, exactement, ce qui a été d'une grande aide pour le passage de l'agrégation, au point d'avoir gardé un profond attachement à cet auteur, que j'ai depuis eu l'occasion de faire découvrir en tant qu'enseignant cette fois, à des étudiants à l'université comme à des lycéens dans le cadre d'un concours d'écriture de nouvelles fantastiques. À mes yeux, cette année liminaire a été d'autant plus formatrice qu'en parallèle, je m'apprêtais à passer le CAPES.
Après de nombreuses réflexions sur l'utilité de me présenter à deux concours de recrutement des enseignants du secondaire, qui sont, on ne se gardera pas de le répéter, assez différents pour continuer à coexister, je finissais par ne pas envisager mon inscription à l'agrégation l'année suivante sans avoir fait l'expérience préalable d'un concours. Sans le CAPES, je n'aurais appris qu'un an plus tard ce que cela signifiait de se retrouver devant une copie, devant un jury, dans une salle d'examen. Ce premier concours, il n'était donc pas pour moi un second choix, mais plutôt l'aboutissement de ma première année de préparation. Et c'est dans cette dynamique que le lendemain de mon retour des oraux, qui avait lieu à Poitiers, j'ai demandé à assister à ceux qui se tenaient en même temps rue de Turbigot. Et après avoir été le témoin mutique d'une leçon et d'une explication linguistique, dont je me rappelle encore, je suis ressorti du lycée Turgot pour la première fois avec la ferme intention d'y revenir une fois prêt. Un an plus tard. Je n'exagère en rien ce témoignage, donc, en affirmant que mon année de préparation à l'agrégation, la deuxième, l'officielle, donc, a été la plus formatrice de ma scolarité, et je rejoins Vincent sur cette idée. Car à mon sens, ce n'est que dans de telles conditions de travail, et en étant entouré de personnes si passionnées, comme tu disais aussi bien nos camarades que les préparateurs, que l'on saisit réellement ce que les notions de rigueur et de dépassement signifient. Deux notions qui, pour moi, symbolisent le mieux ce concours. La rigueur, si elle est tout d'abord personnelle, on parlait des changements et des difficultés de l'année du concours, puisqu'on attend des candidats un engagement total, elle est surtout, à mes yeux, méthodologique. À raison, puisque l'exigence caractéristique des exercices qui composent les épreuves du concours nous incite à acquérir une exhaustivité de connaissances sur des sujets qui ne nous sont ordinairement pas familiers, et aussi à structurer notre pensée pour pousser dans ces derniers retranchements les limites de la réflexion, surtout quand on n'est pas habitué à faire de la dissertation. Dans ma courte expérience en tant qu'enseignant à l'université, c'est en particulier ce goût pour la rigueur et la méthodologie que je tente de transmettre à mes étudiants. Pour ce qui est du dépassement, l'année si particulière pendant laquelle j'ai passé l'agrégation, je vous rappelle, 2020, après le premier confinement, donc cette année particulière m'a prouvé qu'un concours était tout sauf une compétition. Suite à l'annonce du premier confinement, à peine une semaine après la tenue des écrits, nous comprenions que si chacun voulait réussir pour soi, dans les gens qui préparions un dentaire, nous avions davantage de chances d'y arriver avec les autres. Le passage au virtuel a alors été l'occasion de tisser une indispensable union, d'abord avec les candidats du concours interne, et ensuite avec les candidats de l'agrégation à distance, puisque Nanterre a la chance d'avoir cette formation à distance. De ces échanges, j'ai surtout retenu l'importance capitale de l'agrégation pour des enseignants du secondaire expérimentés qui, des quatre coins de l'Hexagone et jusqu'en Outre-mer, voient dans ce concours l'opportunité d'améliorer les conditions d'un travail qu'ils aiment profondément, et ils ont su le prouver à plusieurs reprises, mais duquel ils ont parfois besoin de s'échapper en redevenant eux-mêmes les apprenants. Avec la perspective du report des oraux, leur préparation n'en aura donc été que plus intense. À mon sens, ce n'est qu'à ce moment-là du parcours qu'on commence réellement à se révéler en tant que candidat. Car la position de candidat, et on en a tous fait l'expérience, est un statut qui s'apprend. Elle nécessite d'abord du temps, au moins d'arriver à mai, juin, beaucoup d'entraînement, mais également une capacité à se remettre constamment en question. Cette prise de recul sur soi, elle nous a été enseignée grâce à l'exercice le plus payant de ma préparation. Il consistait à nous mettre en lieu et place d'un membre du jury alors qu'un camarade passait une colle en lui faisant passer l'étape de l'entretien. Ce fut à n'en pas douter l'apprentissage qui m'apporta la toute relative tranquillité avec laquelle je me présentais face au jury. Et c'est aussi depuis le meilleur argument pour contrecarrer l'idée souvent répétée selon laquelle l'agrégation ne préparait pas au métier d'enseignant. Au moment de passer les oraux, avec les candidats de la session 2020, nous nous sentions donc privilégiés, d'abord parce que dans les circonstances sanitaires qui étaient les nôtres à l'époque, c'était déjà une grande chance de pouvoir défendre le fruit de notre travail. Et aussi, dans mon cas, parce que quelques jours avant le début de la session, Alexandra Odo m'apprenait l'obtention de mon contrat doctoral, moi, stoïque à l'autre bout du fil, trop concentré sur l'échéance à venir pour me réjouir. Malgré ma réaction sur l'instant, je recevais cette nouvelle comme le premier signe, car on est tous un peu superstitieux quand les enjeux sont si décisifs, d'une liste qui s'allongeait quand je découvrais que le vice-président du concours, M. Yann Perron,
portait le même prénom que moi et que ma première épreuve de linguistique avec Corinne Moncey-Casper tombait le jour de mon anniversaire. Je pense qu'on va comme on peut, je vous l'accorde. À mes yeux, ces oraux n'auront finalement eu d'épreuve que la forme. Dans le fond, je me les rappelle surtout comme de riches échanges, d'une grande bienveillance. Un sentiment qui traverse également mes souvenirs de l'annonce des résultats, un vendredi 10 juillet, un peu tardivement, bon, dans la cour du lycée Turgot, entouré de mes camarades de Nanterre, de mes préparateurs, parmi lesquels se trouvait Emmanuelle Sinardet, qui venait officiellement de devenir ma directrice de thèse, et face à un collège d'hispanistes, dont la présidente du jury, Madame Thiolin Pardo, qui lisait mon nom en haut de la liste. Du bref entretien, j'en ai une jolie vidéo, je ne vous ai pas demandé les droits d'auteur, je suis désolé. Elle est intime, personnelle. Du bref entretien qui s'en est suivi avec elle, je me souviens de ses félicitations, et elle peut-être de mon regard béat qui ne pouvait s'empêcher de ne répéter qu'un unique mot, merci. Si j'ai encore aujourd'hui un rapport sentimental à l'agrégation, c'est que ce concours a été déterminant dans mon parcours, personnel comme professionnel, et surtout qu'il en a représenté un nouveau début. Pour ces raisons, je souhaiterais terminer ce témoignage en complétant mes propos du jour des résultats. À Madame la Présidente du jury et à ses membres, merci de votre temps et de votre énergie, de l'estime que vous donnez aux candidats et à leur travail. Merci d'avoir lutté pour maintenir l'agrégation dans des conditions incertaines cette fois-ci et surtout de mener cette lutte année après année pour que ce concours continue d'exister pour les agrégés à venir et leurs élèves.